J'attaque un nouveau vlog sur 2 jours. Je me suis dit que c'était cool de vous emmener avec moi puisque aujourd'hui nous sommes lundi et c'est une journée où j'ai mon Lazare avec moi. Et demain, mardi, il est à la crèche et du coup c'est une journée où je suis solo et j'ai un truc cool de prévu demain matin, j'ai un soin pour le visage. Donc ouais, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi sur ces 2 journées. Ça permet de voir un petit peu la différence aussi et de vous partager une journée un peu plus bébé, une journée un petit peu plus pour moi. Du coup, dans notre organisation du moment, le lundi, c'est Romain qui gère l'habillage de Lazare et son petit-déj, enfin, qui commence du moins, et moi je vais les rejoindre. Je me suis réveillée à 7h, tout le monde dormait, j'ai fait ma séance de pilates. Ensuite, du coup, je me suis douchée. Je me suis maquillée, là je viens de me coiffer vite fait. Je vais mettre mes cheveux, je perds mes cheveux, dans les toilettes. Voilà, je vais faire le lit en 2-2. Je me suis pas mis de parfum. Hop. Et on sera bon. Petit détail, truc de merde, mais genre ça là, de l'avoir enroulé parfaitement. Je sais pas, peut-être que certaines vont se dire... Ah, la meuf, elle prend le temps de le faire, trop organisée, tout ça. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est peut-être le genre de truc que je me serais dit à un moment. À l'époque où je le faisais pas, j'étais du genre à fourrer ça, pas enroulé, vous voyez, un peu comme je pouvais, à rentrer dedans. Parce que je me disais pas le temps, j'optimise mon temps, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps après à dénouer le truc. Parce que ça s'était emmêlé, ça avait fait des nœuds, machin, machin. Que prendre quelques secondes. Pour bien le ranger comme ça, bien refermer la boîte, enlever les cheveux du truc aussi comme je viens de faire à l'instant, pour que quand j'ai besoin de m'en resservir demain, et ben ce soit beaucoup plus simple en fait. Enfin bon, je vous apprends rien, hein, mais c'est vrai qu'en devenant maman, il y a plein de trucs niveau orga où j'étais devenue un peu à l'arrache, alors qu'en fait plus vite on fait les choses et mieux on les fait, et en fait c'est plus simple par la suite aussi quoi. Bref, je vais faire le lit rapidos et je vais descendre parce que j'aimerais bien prendre mon petit déj. Qu'est-ce que c'est ? On m'avait posé la question la dernière fois d'où venait ce jeu, cette espèce de jeu mémo avec des cartes. C'est un verbodé, je vous mettrai le lien en barre de description. Je l'avais acheté en boutique mais il est sur le site aussi. Où est-ce qu'il s'est Lazare adore. Ouais. Oui, c'est le zèbre ça. Tu vas faire le puzzle? Regarde, maman, elle va se préparer son petit thé. Tu veux m'aider à faire le thé? Alors je vais aller chercher ta tour. Super, merci mon bébé d'amour. Hop. Je vais aller ici. Ça, ce sont des dates. Je sais que tu aimes bien. Hop. Le thé matcha, tu veux refaire? Non, avec ça, mon amour. Donc ça, c'est une première chose. Oui, mon amour. Comme souvent le matin, pour que je prenne mon petit déjeuner à côté. Cacou. Oui, je sais, j'ai des talents, j'ai un talent exceptionnel qui est le dessin. Je vais vous montrer ces petites caisses, je les ai trouvées chez Sustrengreen à Bordeaux le week-end dernier. Et elles ont la taille parfaite pour ranger les feutres et les crayons. J'adore, elles sont toutes petites. On est de retour par ici après l'activité feutre-dessin. On se met en cuisine. Vous noterez que c'est souvent la même chose quand même. C'est vrai que le lundi matin, on fait la cuisine un petit peu pour anticiper. Donc là, on prépare des gaufres de patates douces. Non, mais on ne veut pas de café là, mon cœur. On ne veut pas de café. Regarde, on mélange ça. J'avais cuit les patates douces hier. Du coup, c'est pratique. Là, on a juste à assembler. Oui, mon cœur, on a cassé les œufs. On va mettre le beurre. Elles sont de retour. Il y en a 2, j'ai vu ça hier, ça me débecte. C'est horrible. J'avoue que les trucs volants comme ça, vous commencez à le savoir, ça me dégoûte. Pourtant, tout est dans des bocaux et tout, mais j'avais quelques trucs en sachet et j'ai acheté.
Attends, on va descendre d'ici parce que là, ça c'était une petite bêtise, ça. J'avais pas vu, il était en train d'être sur les plaques parce qu'il se lavait les mains. Non, on va redescendre, mon petit cœur. Je disais que j'avais acheté des trucs au magasin bio. Et c'est vrai que c'est un peu une tannée, le magasin bio. Enfin, c'est trop bien, mais à chaque fois, il y a des... À chaque fois, ça me ramène des aliments. C'est le bazar, hein. J'espère vous rassurer quand vous dites toujours que je suis très organisée. Là, il y a mes gaufres qui cuisent. La première tournée a foiré. J'ai ouvert trop tôt, donc maintenant j'ai bien laissé le chrono. Et c'est toujours la même recette, je vous la mettrai en barre de description. Ne vous fiez pas à ça. Il faut bien laisser le chrono et pas ouvrir trop vite. Et mon gaufrier, pour ça, il est... Ouais, il faut bien respecter ça. Du coup, Lazare, il a de la gaufre avec du fromage frais dessus. J'ai mis du poivre. Fraises, avocats, et je vais lui ajouter de la sardine. Puisque nous, on aura du saumon fumé ce midi. Voilà la belle assiette de Lazare. Et j'ai ajouté du paprika fumé aussi. On en met un peu à toutes les sauces. Et donc là, il va pouvoir manger en autonomie. Et moi, je vais me faire mon assiette à côté, je pense. Comme ça, après, quand il part à la sieste, j'ai du temps. Je disais comme ça, quand Lazare il part à la sieste, j'ai du temps vraiment pour moi, vu qu'il dort jamais très longtemps. Sinon, j'ai le temps de manger, débarrasser et j'ai pas du tout ni avancé en cuisine. Le lundi, j'aime bien faire un peu de batch cooking, entre guillemets, enfin, de faire une ou deux recettes pendant qu'il dort pour gagner du temps pour le repas de soir et pour les repas qui viennent. Oui, mon cœur. Allez, je voulais vous montrer, ça a été un peu un fail parce qu'il a plu cette nuit et du coup, le toboggan et tout était trempé, mais pas juste un peu mouillé, il y avait vraiment des flaques d'eau. Et j'avoue que j'avais pas envie qu'il soit trempé et de devoir le rechanger, etc. Donc j'ai essuyé des trucs avec un mouchoir qui me restait. Donc on a fait quelques trucs, mais on n'a pas pu trop faire de toboggan. Donc ce qui est un peu chiant à comprendre pour lui. Donc je lui ai expliqué. On allait au... Il y avait un tabac presse à côté. Et je me suis pris deux magazines saveurs comme ça qui vont pas mal m'inspirer. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Enfin, ça va, il y a les fraises qui arrivent, il y a les asperges et tout ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu la transition bâtarde et j'ai un peu l'impression de manger toujours la même chose. Et j'ai pris un premier petit poppy pour Lazare. Bon, petit ours brun, je suis pas fan, c'est un peu cucu je trouve. Mais j'ai une copine qui est instite et qui m'a dit que les poppies étaient quand même super bien faits. Je sais qu'elle l'a acheté celui-là aussi l'autre jour, il y avait une petite cuillère avec. Donc Lazare était content. Et c'est 1-3 ans, c'est vrai que ça correspond bien, on a fait un petit peu là en attendant que les gaufres cuisent. Oui mon petit cœur, on va les regarder après. Bon en fait c'est un vrai fail ce truc. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma pâte, je sais pas ce qu'on a oublié ou ce que j'ai mis en trop. Mais il y a tout qui foire, ça me rend ouf. La dernière fois j'avais fait la pâte, c'est Romain qui avait ensuite cuit les gaufres. Elles étaient nickel. Voilà, là ça me saoule parce que je perds un temps de ouf, que c'est pas du gâchis parce qu'on va manger les croûtes, mais oh là là, ça m'agace. En fait, j'avais cuit les patates douces hier et j'en ai cuit plus pour en avoir aussi en rab. Donc peut-être que j'ai pas mis la bonne quantité de patates douces et du coup la texture va pas, je sais pas, mais c'est très agaçant. Bon, moi qui voulais gagner du temps en mangeant en même temps que Lazare et tout, c'était un énorme fail, c'est toujours comme ça, mais... J'ai tout gratté, j'ai perdu trop de temps. J'ai revoulu tenter, j'ai huilé, mais cette fois-ci j'ai tout bien huilé, même les dans les creux et dessus. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Et c'est une réussite! C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai vite fait huiler dans les rainures et là j'en ai vraiment mis partout, j'ai bien tout graissé. Et elles sont parfaites. J'ai laissé 5 minutes sur le chrono, sans soulever. Et c'est parfait. Donc bon, c'était pas ma recette, je pense qu'il fallait juste que je graisse bien. Et d'habitude c'est Romain qui... Enfin c'est souvent Romain qui gère la cuisson des gaufres. Du coup je sais pas, j'avais zappé qu'il fallait que je graisse davantage. Ah super Lazare, merci. J'ai passé un coup. Oh là là, avec une lingette. Parce qu'il y en avait de partout. Et déjà il s'est tartiné les cheveux avec ses mains pleines de sardines. Lazare est au dodo.
Je rigole, mais après les gaufres, un bol est tombé qui était en équilibre dans le frigo, c'est explosé par terre. Voilà, donc une tâche de plus qui s'est rajoutée. Et bah, d'ailleurs, ouais, j'ai pas passé la scie pour pas réveiller Lazare, mais du coup, je le ferai tout à l'heure. Ça, je vous montrerai peut-être plus tard, mais j'ai reçu des petites Vans pour Lazare, j'en ai commandé. J'ai pris plusieurs tailles. Enfin, celle qu'il a actuellement est inutile, bref, pour checker, peu importe. Mais du coup, il va falloir que je fasse un retour. Je m'en occuperai demain, je pense. Et j'ai pris des bleus, parce que je croyais que c'était pas mal pour... c'était assez estival. Pardon, je vérifiais que... Mais bon, vous me voyez, je suis un peu coupée, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a un scratch ici, ce que je trouve pas mal pour lui enfiler. Surtout que Lazare, il a des pieds bien dodus, bien larges. Bref. Je lui essayerai tout à l'heure. Je viens de prendre mes billets de train parce que je pars en week-end entre filles à La Rochelle au mois de juin. Je suis trop contente. C'est cool, là j'ai trois week-ends où je pars seule. Enfin, des week-ends entre filles qui se programment. Et je sais que pour certaines, ça va vous paraître dingue parce qu'il y en a qui l'ont fait beaucoup plus tôt. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me séparer de Lazare. J'ai mis du temps, bah, du fait que je l'allaitais aussi, que je l'ai même allaité 14 mois, ça a joué. Puis de l'avoir beaucoup avec moi et tout, enfin, c'est vrai que par moment je sais que j'en ai besoin et en même temps j'ai du mal à le faire. Bref, là j'ai trois week-ends qui se programment du coup en mai et juin, donc je suis trop contente. Je viens de prendre mes billets de train là pour le week-end à La Rochelle, il faut que je prenne mes billets de train pour les deux autres... Non, mon week-end à Lille est déjà booké, je pars en avril en fait, donc très bientôt, et ensuite il faut que je book mon autre week-end. Bref, j'ai un truc à faire sur mon ordi là pour mon père. Donc je peux pas avancer en cuisine comme je vous disais que c'est ce que je fais d'habitude le lundi en général. Je vais lui envoyer ça et après je vais voir. J'entends Lazare qui... J'ai peur qu'il se réveille déjà là. Enfin, il a pas du tout assez dormi mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui le gêne. J'entends juste bouger mais... bon bref, à plus tard. Alors... Il est 15h30 je crois, 15h45. Oh là là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Ça c'est bien un truc qui manque pendant la grossesse et même une bonne partie de l'allaitement quand je vois sur les vlogs ou même mes photos ou bref, enfin dans ma pellicule iPhone ou sur les photos de Robin et tout ça, j'avais des cheveux comme j'ai jamais eu de ma vie. Rien que pour ça je pourrais... J'aimerais être de nouveau enceinte, je crois. Oui, mon cœur. Vraiment, mes cheveux, là, ça me... Et je dis pas ça pour que vous commentiez en me disant « Mais si, t'as des beaux cheveux et tout. » Non, je n'ai pas des beaux cheveux. J'ai des petits cheveux qui repoussent de partout. J'ai des cheveux qui sont secs, qui sont abîmés, qui sont pas en bonne santé, quoi. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Hein. J'ai des cheveux qui poussent pas, en fait. Bref, je prenais pas ma caméra pour ça. Je disais qu'on file faire des courses. Et j'avais bien anticipé le truc parce que là, le temps est en train de tourner à l'orage. Donc, c'est parfait. On sera allé se promener ce matin. Là, on a joué un peu sur la terrasse et tout ça. Et là, on va faire quelques courses. Et j'ai plein de colis Vinted à déposer. Il y a un point relais qui est un truc genre animalerie. Bon, il n'y a plus grand chose maintenant dans les animaleries. Hein. C'est plus, ils vendent plus des accessoires pour les animaux. Mais il y a des poissons, je crois, et des hamsters ou des lapins ou un truc comme ça. Donc, on va aller voir avec Lazare. Comme ça ferait une petite occupation au milieu des courses. Et puis voilà. Du coup, Lazare a fait une sieste pas du tout longue. Donc j'ai même pas eu le temps de faire le truc pour mon père, donc je le ferai ce soir. Et j'ai eu un truc de boulot d'urgence à renvoyer à une marque pour un contenu, bref, donc je me suis occupée de ça. Et voilà, en fait j'ai pas, ouais, il a vraiment pas beaucoup dormi, je pense qu'il a les dents qui le travaillent. Mince, je bloquais un camion. Bon, à tout à l'heure. Il est 18h, on passe à table avec Lazare, je vais manger avec lui. Donc il y a son assiette qui est prête, tiens mon petit cœur. Ce sont des pâtes de quinoa, ail et persil.
des spaghettis que j'ai coupés pour Lazare. Dessus, c'est une fondue de poireau avec un petit peu de crème de la muscade, un peu de parmesan et du basilic. Et moi, je vais manger la même chose, mais je vais ajouter des pignons de pin. Comme d'hab, le bazar derrière. Je le montre maintenant parce qu'on me dit toujours que tout est rangé. Il y a encore le truc de ce midi qu'il faut qu'on nettoie. Les courses que je n'ai pas pu déballer parce que c'était galère avec Lazare, j'ai pas pu tout ranger. Donc voilà, il y en a ici. Je vous montre au passage d'ailleurs des petits crozets de sarrasin comme ça. Voilà, histoire d'avoir encore plus de mythes alimentaires puisque tout ce qui est rayon bio, on adore. Non mais je rigole, mais en vrai c'est trop bien ça. Mais je vais checker qu'il n'y ait pas des mythes dedans. Et j'ai acheté ça, boulgour express de blé complet. C'est de Léa Nature, j'adore cette marque. Oh là là, attends mon petit cœur. Oui, tu vas manger avec ta nouvelle cuillère de livre Poppy. Regarde, tu peux commencer tout seul, mais c'est chaud. Regarde, ça fume, c'est chaud mon cœur. Maman, elle va t'aider. Bon, c'est trop cool, Romain a un trou, entre guillemets, dans ses rendez-vous téléphoniques. C'est cool, j'allais dire, mais c'est toujours très chiant de parler en mode franglais, mais bref. C'est le cas, du coup, c'est lui qui a chopé Lazare là pour aller lui donner le bain. Donc ça tombe trop bien, comme ça je vais pouvoir me poser tranquillou puisque je n'ai absolument rien à faire là et que tout est nickel. N'est-ce pas? Je me mets un petit vlog, le blog de Néroli, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elle a un podcast qui est cool aussi, je vous en ai parlé récemment. Je me mets ça pendant que je vais ranger, comme ça, ça va me motiver, je vais essayer de faire ça vite. Bon, je me mets sur mon ordi parce que du coup j'ai des trucs à finir. Il est 20h30 déjà. Ça fait une heure que je range, j'ai passé un coup d'aspi. Enfin, en fait, il y en avait vraiment partout. J'avais les courses à ranger. Enfin, alors que je ne me suis pas arrêtée une seconde, mais il y avait trop de trucs à vider de la vaisselle, re-ranger de la vaisselle, mettre les trucs dans le frigo, jeter des trucs qui traînaient dans le frigo. J'ai étendu une machine à laver, enfin bon, bref, j'ai fait 50 trucs. Et à toutes celles qui se disent que je ne présente jamais mes desserts, c'est vrai que souvent je zappe parce que je me les fais un peu après. Mais je me fais souvent des desserts, c'est juste que je me fais des desserts plutôt sains, mais pas petits. Genre là, je me suis décongelé une part de banana cake. Alors, il n'y a que des bonnes choses dedans, il n'y a pas de sucre. Enfin, il y a du chocolat noir, mais il n'y a pas de sucre ajouté, puisqu'on le fait sans sucre maintenant, depuis que Lazare en mange. Des fraises, un peu de beurre cacahuète, mais bon, 100% cacahuète, et un peu de skyr et un peu de graines de chia. Voilà, et j'ai ma petite tisane au curcuma qui m'attend à côté. Bon, aujourd'hui, j'ai complètement mais délaissé ma caméra. J'ai juste tourné quelques plans ce matin quand je suis arrivée chez Soin de Soi à Gradignan pour faire mon massage. C'était incroyable. D'ailleurs, j'ai encore les cheveux, puisqu'il est 18h30 là, j'ai les cheveux gras. Je suis dans un espèce d'état second. Depuis que je suis sortie du massage, j'ai qu'une envie d'aller me coucher en fait. C'était un soin visage haut du corps, donc vraiment focus, relaxation, éclat, etc. Je suis sortie, j'avais le teint mais éclatant et je me sentais, enfin elle m'a vraiment mais décongestionné tout le dessous des yeux, tout le visage, enfin c'était incroyable. Mais ouais, j'ai envie d'aller dormir, j'aurais pu rester comme ça en fait tellement longtemps. Le soin a duré 1h30. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je faisais un soin aussi long. D'habitude, je fais une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, ah, c'est un peu frustrant, on aimerait que ça dure plus. Là, évidemment, j'aurais aimé que ça dure plus, mais en 1h30, on a vraiment ce lâcher prise et cette sensation de relaxation profonde, quoi. Bref, ce matin, j'ai posé Lazare à la crèche, je suis allée à Gradignan. J'ai eu des bouchons parce que c'est quand même pas tout près d'ici. J'ai fait mon soin, je suis sortie, je suis allée déjeuner chez une copine. On a pris notre café, je suis repartie, j'ai repris la route. Je suis arrivée ici, j'ai continué de bosser. Je suis allée poser des colis Vinted parce que j'allais être à la bourre dans mes
dans mes délais pour les poser. Romain est allé récupérer Lazare à la crèche et j'ai enchaîné avec le dîner, j'ai dîné avec lui tôt encore une fois à 18h parce que j'ai envie de me coucher tôt ce soir et que j'ai du boulot, donc je vais me remettre au taf là après. Et du coup là c'est le bazar, je suis en mode nettoyage et j'ai la peau toute huileuse aussi, donc elle m'a fait un masque, un gommage, enfin, incroyable. D'ailleurs, je vous mettrai en barre de description, mais j'ai une offre qui est un peu exceptionnelle sur les soins de chez Soins de Soi. Ils n'ont jamais fait de remise sur les soins, en fait. Et du coup, là, c'est assez exceptionnel. C'est valable jusqu'à fin mai. Donc, si vous voyez cette vidéo plus tard, fin mai 2024, du coup, ce ne sera plus le cas. Après, je vous invite quand même à prendre rendez-vous si vous êtes dans le coin de Bordeaux, parce que vraiment cet institut est incroyable. Il y a un institut à Bordeaux mais il y a un institut à Gradignan aussi. Moi je ne connais pas celui de Bordeaux, je connais que celui de Gradignan, mais c'est tellement pro, tellement quali, tellement rien à dire quoi. Donc je vous mettrai tout ça en barre de description et peut-être que je vous retrouverai un peu tout à l'heure, mais sinon je pense que je vous retrouverai demain pour clôturer ce vlog. Mais ouais, là aujourd'hui j'ai un peu abandonné. Bon, je vais aller relayer Romain pour l'histoire, le biberon, le dodo. J'ai fini de ranger la cuisine et je voulais, enfin il me reste ça de vaisselle, je voulais vous montrer, j'avais plus de vaisselle. Moi j'achète celle-ci depuis du coup que Lazare est né. Et c'est la même lessive qu'on utilise en fait de chez l'Arbre Vert, c'est la même gamme. Et du coup c'est ce produit vaisselle qu'on utilise, qui est trop bien parce que la compo est clean, il n'y a pas d'odeur ou de choses qui restent. Et du coup c'est idéal pour les, c'est fait pour les biberons aussi. Voilà, et je remplis mon petit flacon What Matters. Hop. Bon, et dans la suite de mes astuces de ménagère, maman, bébé là, les pailles en silicone comme ça. Vous entendez Lazare qui, je sais pas, je crois que c'est le brossage dedans en ce moment, ça le branche pas trop. Bref, il y a son papa avec lui. Hein. Oui, les pailles en silicone comme ça, c'est trop mignon, c'est pratique, etc. Mais c'est comme les jouets en silicone, il peut vite y avoir de la moisissure dedans. Du coup, nous, on a ça, un petit goupillon comme ça, avec une petite brosse toute fine pour bien laver avec du produit vaisselle dedans. Parce que sinon, juste rincer comme ça, ça ne suffit pas. Et ça, il y en a plein chez Sustrengren. Ils les vendent par gros paquets et vous en avez plein pour un tout petit prix. Oui, j'arrive! Bon, je vous ai abandonné hier, si vous entendez des soufflements hier derrière, c'est Romain qui fait son sport. Je voulais vous montrer mon petit look du jour, de plus en plus de couleurs par ici, parce que c'est le printemps, que j'ai changé les affaires de mon dressing et que je suis contente de ressortir des affaires un peu plus colorées. Le jour où sortira cette vidéo, à 17h, il y a une remise en ligne sur ma page avec les nouveautés, dont cette petite paire de Loma Rose Blush que je trouve trop belle. Elles sont un peu rehaussées à plateforme comme ça. Il y a la boucle au niveau de la cheville, la petite boucle dorée comme ça. Elles sont en cuir rose blush, ça change des modèles champagne et camel que j'avais. Je les trouve super sympas pour les beaux jours. Et sinon, je porte un pantalon de chez Mango, mais qui a des années. Mais je sais que tous les ans, ils en refont un peu similaire. Je l'avais fait reprendre pour mon 1m59. Et là, je porte cet ensemble, la blouse, c'est une Cézanne comme ça, tout en dentelle. Et une maille aussi de chez Cézanne que je vous avais présenté sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Et suite aux soins d'hier, j'ai rien mis sur ma peau aujourd'hui, enfin juste mes soins, mais j'ai pas du tout mis de maquillage et j'ai les traits quand même beaucoup plus défatigués. Ça m'a vraiment fait du bien en termes d'hydratation aussi. J'ai la peau beaucoup plus rebondie ce matin et je porte juste sur mes lèvres aujourd'hui l'huile de chez Typology que je vous avais pas montré justement dans le vlog de l'autre jour. Hop, c'est celui-ci. C'est vraiment un joli rose, je l'avais dit sur Instagram, mais le rendu n'est pas du tout comme un gloss. Enfin, ça colle pas comme un gloss, c'est vraiment une huile. Donc c'est confortable, c'est nourrissant, mais ça donne un côté très brillant et ça fait des jolies lèvres. Et il y a plusieurs teintes. Moi j'ai adoré cette teinte-là,
rose blush, ma passion, mais il y a, des teintes plus foncées qui du coup sont forcément plus visibles sur les lèvres. Mais ouais, celle-ci c'est naturel quoi, c'est quand même rosé mais ça reste très naturel. À porter au quotidien, je trouve que c'est pas mal. Je viens d'essayer la petite robe Balzac que je viens de recevoir. Les détails au dos et là du décolleté, enfin du décolleté, à l'avant sont vraiment trop beaux. C'est le bordel derrière. Et en longueur, elle tombe bien. Je me tâte à enlever un tout petit peu plus pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte vu que elle est pas du tout décolletée, elle est manche longue, etc. J'aurais bien aimé qu'elle arrive genre là. Vu que je pensais pas mal la porter à plat, j'aime bien quand c'est bien court. Genre là, j'aurais bien aimé là plutôt que là. Bon bref, on parle de quelques centimètres, mais je vais voir. Mais sinon, je la trouve trop trop belle. Elle est très élégante, très romantique, je trouve. Et si vous êtes un petit peu plus grande que moi, je pense qu'elle vous sera nickel en longueur. Pour rappel, je fais 1m59. Et adepte de leur parfum déjà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est celui que j'ai porté tout le printemps, été, l'année dernière, et je vais le ressortir là pour les beaux jours. J'ai reçu leur bougie, qui a l'odeur du parfum, et du savon aussi. Elle sent trop bon, ça sent trop bon là. J'adore. Je clôture du coup ce vlog sur 3 jours finalement maintenant, et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.